quand le coup d'envoi est donné, c'est vrai que tu fais abstraction de beaucoup de choses et tout. Mais tant que ça n'a pas commencé, t'as des yeux, t'as des oreilles, t'entends, t'écoutes, tu regardes. Le 12e homme, moi je pense que ça a un réel impact. Et peut-être que certains en doutent et le sous-estiment, mais moi j'en suis persuadé. Pour faire des grandes choses, il ne faut pas des gens normaux. Et vous allez faire des grandes choses avec des gens qui ont de la passion, peut-être un peu de folie, mais beaucoup d'amour et de l'amour pour le club. Les ultras, on ne parle que quand il y a des bagarres, que quand il y a des débordements. Mais non, on ne parle pas quand ils chantent, quand ils préparent des tifos à l'avance, quand ils font 12 heures de bus pour aller voir un match et qu'ils prennent 3-0 et qu'ils rentrent, ils ont encore 12 heures derrière. Voilà, ça, on n'en parle pas. Parce que pour faire 10 heures de bus, il faut être fou pour aller voir un match. Mais fou d'amour, ouais, aussi.